N'hésitons pas, n'ayons pas peur. Regardons le large. Le Seigneur, nous le suivrons. Le Seigneur n'enlève rien, il donne tout. Trois hommes jeunes rejoignent un groupe d'hommes qu'on appelle les prêtres, groupe de moins en moins nombreux et vieillissant. Clément, Charles et Basile seraient-ils devenus fous? Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Par le sacrement de l'ordre, ils sont appelés à être prêtres, c'est-à-dire pasteurs et apôtres au service du peuple de Dieu. Chers amis, la folie de ces trois ordinants. Voilà le chemin de ces trois ordinants, un chemin qui, à cause du Christ, va jusqu'à tout donner, jusqu'au don de soi-même. Chers frères ordinants, s'il vous plaît, aimez concrètement celles et ceux que vous servirez, les convaincus et les hésitants, les militants et les prudents, les affectifs et les cérébraux, aimez-les tous de l'amour du Christ. Clément, Charles, Basile, vous avez choisi d'être face au large. Je le dis à vous, chers jeunes qui êtes dans cette assemblée de ce soir, choisissez vous aussi d'être face au large, non pas le dos au mur, non pas allongé sur le divan. Choisissez non pas une vie étriquée, mais la joie de répondre à l'appel du Seigneur. Il frappe à la porte de notre cœur. N'hésitons pas, n'ayons pas peur. Regardons le large. Le Seigneur, nous le suivrons. Le Seigneur n'enlève rien. Il donne tout. Amen.